Bienvenue à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, une institution publique très renommée où tout le monde, même les plus démunis, peuvent venir se faire soigner. Si notre système de soins de santé est un des meilleurs et des plus accessibles au monde, c'est notamment grâce au fait que, comme ici, la plupart des médecins ont accepté pour leurs honoraires de travailler à un tarif fixé et remboursé par l'INAMI. Un système très social donc, à condition que tous les concernés l'appliquent. Voyez notre sommaire. En Belgique, il n'est pas rare que certains médecins ne respectent pas les honoraires fixés par l'INAMI. C'est l'honoraire légalement reconnu. En fait, c'est 56,68 et vous avez demandé 90 euros. Notre système de soins de santé est un des meilleurs au monde, mais des pratiques illégales noircissent le tableau. Une situation qui perdure depuis des dizaines d'années. Il n'y a pas de sanction en tant que telle. Vous ne pouvez pas appliquer une loi s'il n'y a pas une disposition de sanction. Ce soir, notre magazine pose comme première question, arnaque aux honoraires, quoi de neuf docteur ? Deuxième question, l'argent noir des blouses blanches est-il une maladie contagieuse ? Dans certains hôpitaux, c'est un secret de polichinelle. Des médecins spécialistes souvent renommés ne dispensent leurs bons soins que moyennant des pots de vin. Est-ce que les 500 euros d'acompte en liquide donnés aux médecins figuraient sur la facture ? Absolument pas. On a vraiment joué sur la corde sensible pour nous soutirer de l'argent. Pour booster mon équipe, combien, docteur ? 1500 euros. Ce soir, question à la une, examine au microscope cette forme d'enrichissement illégal qui exploite les patients. Que ce soit à l'hôpital ou à leur cabinet privé, on peut tomber sur deux sortes de praticiens qu'a priori rien ne distingue. D'une part, ceux qui peuvent décider librement du montant de leurs honoraires et d'autre part, les conventionnés qui doivent respecter un tarif INAMI. Le patient qui choisit de se faire soigner par un toubib conventionné est donc en principe vacciné contre les mauvaises piqûres que sont des honoraires exagérément élevés. Hélas, cela fait très longtemps que bon nombre de praticiens de l'art de tricher majorent illégalement leurs honoraires en quasi-impunité. D'où notre question, arnaque aux honoraires, quoi de neuf, docteur ? Je suis pas connante. Vous ne savez pas qu'il y a des médecins qui peuvent demander ce qu'ils veulent à leurs clients et d'autres qui sont obligés de respecter, disons, un tarif. Vous savez ça ? Oui, ça, je sais. Et vous saviez que votre médecin n'était pas conventionné ? Ça, je ne savais pas. Je ne vais pas demander ces affaires, ça ne me regarde pas. La plupart des gens sont incapables de dire si leur médecin est conventionné ou pas. Plus étonnant encore, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un médecin conventionné. Alors, pas sûr que vous m'ayez reconnu. C'était moi en 1976 dans le magazine Si vous saviez qui auscultait le corps médical pour vérifier si les médecins conventionnés appliquaient bien le tarif INAMI auquel ils sont tenus. Eh bien, 32 ans plus tard, je peux vous dire que j'ai infiniment plus changé que les situations qui étaient dénoncées à l'époque. Petit rappel avec le jeune homme à la belle cravate. Un médecin conventionné, c'est un médecin qui s'est engagé à respecter le tarif de l'assurance maladie-invalidité. Les médecins qui ont accepté la convention bénéficient en échange d'un avantage qui n'est pas négligeable. Ils reçoivent 27 800 francs pour les aider à financer leur prime d'assurance, d'invalidité, de retraite ou de décès. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais cet avantage est maintenant de 3 375 euros. Est-ce que c'est un médecin conventionné, madame ? Non, monsieur. Regardez un peu, normalement, ce que vous auriez dû payer chez un médecin conventionné. Vous avez payé combien, en réalité ? 900. 900. 264. Combien, ça ? À l'époque, comme aujourd'hui, 4 praticiens sur 5 environ sont conventionnés. Mais une enquête des mutualités chrétiennes révèle une grave épidémie. Énormément de médecins et de dentistes majorent anormalement leurs honoraires. On constate que 78% des généralistes ont respecté leur engagement, alors que seulement
30% de spécialistes et 44% de dentistes appliquent la convention. Est-ce que vous saviez qui vous demandait trop cher? Ah non, je ne savais pas. Ça, c'était donc il y a un tiers de siècle. Mais en 94, nouvelle enquête de Testacha cette fois. Son diagnostic inspire la séquence fiel d'une émission Les Pieds dans le Plat. Testacha fait des radioscopies qui montrent que plus de la moitié des toubibs conventionnés sont frappés d'une curieuse maladie. Le symptôme, un non-respect chronique des honoraires prévus par l'INAMI, l'ordre des médecins qui, sous le regard d'Hippocrate, doit réprimer les manquements au code de déontologie, ferait bien de consulter un bon spécialiste des yeux et des oreilles. Concernant les praticiens qui ne respectent pas leurs engagements, il ne voit rien, n'entend rien et ne dit rien. C'était il y a 14 ans, mais depuis, est-ce qu'on a fait une radio de contrôle pour vérifier s'il y a toujours autant de praticiens de l'art de tricher ? Jean Hermès, secrétaire général des mutualités chrétiennes. Je ne pourrais pas vous le dire parce que nous n'avons pas reproduit de nouvelle enquête. Donc pourquoi? Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Paul Jamard, directeur du service juridique des mutualités socialistes. À l'heure actuelle, je n'ai pas de chiffres sur le nombre de médecins qui respecteraient ou non la convention à laquelle ils ont adhéré. Et au service de contrôle de l'INAMI, a-t-on passé au scanner la situation actuelle de ce genre de tricherie ? Charles Vranx, médecin inspecteur général à l'INAMI. Ce type d'enquête n'a jamais été faite au niveau de l'INAMI. Pourquoi ? Comme vous l'avez dit, c'est une initiative d'un organisme assureur en particulier. Pas d'études récentes, alors pour vérifier si le mal sévit toujours, petit coup de caméra dans une agence des mutualités chrétiennes. 43% des affiliés. Et ça vous va. Il vous a demandé combien ? 28. 28, donc il a demandé un peu moins de 8 euros de supplément. Et il est conventionné ? Oui. Donc il n'a pas respecté la convention ? Non. C'est fréquent, ça ? Généralement, oui. Est-ce qu'il est conventionné, votre médecin ? Ça, je ne sais pas vous répondre. Vous savez ce que c'est, conventionné ou pas conventionné ? Non, pas vraiment. Et c'est l'honoraire légalement reconnu. En fait, c'est 56,68 et vous a demandé 90 euros. Et donc, vous retouchez 43,14 euros. Et est-ce qu'il est conventionné ? Il est conventionné. Il n'a pas respecté... Donc, il a demandé trop, clairement. Oui, tout à fait. Mutualité socialiste, 30% des affiliés, deuxième coup de sonde, très éclairant. 35 euros, oui. Et c'est le médecin qui visite le home, c'est ça ? C'est la médecine du home, oui, c'est la doctoresse du home. Donc elle fait le tour du home, elle demande 35 euros pour chacun des patients. Je suppose, oui, en tout cas, oui. Est-ce qu'elle est conventionnée ? Oui, elle est conventionnée. Alors, combien est-ce qu'elle pouvait normalement demander ? Un petit supplément quand même. Hein. Pas de consultation, il y a environ 3 euros en plus, vis-à-vis du tarif officiel. Quelques radiographies n'ont évidemment pas valeur statistique, mais elles prouvent au moins que l'épidémie n'est pas éradiquée. C'est pourquoi nous avons rencontré un des plus éminents représentants du corps médical.